Notre église est située dans la paroisse Saint-Jean-Port-Joli, à mi-chemin entre Québec et Rivière-du-Loup. Dans notre église, nous attirons les touristes surtout avec la crèche qui a été montée il y a quelques années. En plus, il y a beaucoup de sculpteurs qui ont fait différentes sculptures dans l'église. Ce sont tous des artisans de Saint-Jean-Port-Joli qui ont fait ces sculptures. Maintenant, il y en a quelques-uns, malheureusement, qui sont décédés. Mais nous gardons encore toutes les sculptures visibles le plus possible. À la mi-décembre, la crèche est montée par un groupe de bénévoles qui prennent le temps de bien installer chaque sculpture pour avoir une belle vue d'ensemble. Et normalement, cette crèche est démontée à la mi-janvier environ. Avec la venue d'un nouveau curé, bien déjà, ça faisait quelques années que l'abbé Sartolard était à Saint-Jean. Il s'est posé la question, pourquoi on n'avait pas une crèche sculptée avec tant de sculpteurs dans la paroisse? Donc, un comité s'est formé, puis la décision s'est prise sur quelle forme de personnage il pouvait se faire. Donc, il y a eu des discussions, puis chaque sculpteur a décidé quel personnage il ferait, soit à peu près de la même grosseur ou de la même grandeur là, pour que ça fasse une crèche uniforme. On a une crèche sculptée depuis 1987. Mon rôle était de tout simplement monter la crèche avec le thème qui nous arrivait là, de l'évêché. À chaque année, on avait un thème différent, donc il fallait jouer, monter la crèche pour que les gens puissent voir le thème qu'on leur donnait. Puis une année, c'était « on se rend à la crèche ». Puis je me suis dit « pourquoi pas ?» À augmenter des choses. Fait que je suis allée voir des menuisiers et les menuisiers ont fait, tous ceux qui ont voulu, nous ont fait une petite maison. Donc, les gens, ça a été vraiment un gros impact pour les familles parce qu'eux autres aussi faisaient partie de la crèche. Ça a été très apprécié. Après une discussion au comité de liturgie, on avait changé de curé, on était avec l'abbé Marcel Lamonde, puis on s'est demandé comment ça se fait qu'on ne voyait jamais Marie enceinte. J'ai demandé à Jacques Bourgault, qui avait fait la première Marie, s'il voulait faire Marie enceinte. Puis il a répondu oui tout de suite, puis 15 jours après, on l'avait. C'est aujourd'hui qu'on fait la crèche, avait dit le curé de Saint-Jean-Port-Joli un matin de début décembre. Le bedeau et la servante du curé se sont dirigés vers la sacristie, ont ouvert la porte du cagibi et en ont sorti une grosse malle qu'ils avaient munie de roulettes, tant elle était lourde. Le bedeau, qui avait toutes les clés possibles de l'église, trouva celle qu'il lui fallait et débarra la serrure de la malle comme s'il s'agissait d'un trésor. La servante enleva les nappes qui recouvraient le tout et ils ont commencé à déballer les personnages bien rangés. Mais voilà qu'arrivée au fond de la malle, la servante s'est aperçue que le petit Jésus avait disparu. Apprenant la triste nouvelle, le curé s'est dirigé vers l'école et a demandé aux élèves si quelqu'un par hasard, aurait pas pris le petit Jésus. Silence. Personne n'avait pris le petit Jésus. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Le petit Jésus avait disparu. Certains ont cru à une malédiction, d'autres à un voleur de grand chemin, mais chose certaine, il fallait un petit Jésus pour la messe de minuit. Ayez la foi, monsieur le curé, que lui disait la servante. On l'aura bien retrouvé d'ici là. Il n'était pas question pour personne de mettre un petit Jésus de plâtre, de cire ou de paille, ou encore une poupée de chiffon pour remplacer le petit Jésus.
Tous les personnages étaient sculptés à la main. Et l'artisan qui l'avait autrefois sculpté, ben, était décédé. Là, Joseph est installé avec Marie. En attendant, tout le temps de l'avant, ils sont installés comme ça. Puis ça, ça va aller jusqu'à Noël, là, on les garde comme ça. Des fois, on les déplace, ils sont placés un peu à la place des rois mages, mais ils cheminent, puis ils s'en viennent à la crèche. Troisième dimanche de l'Avent, ils sont près de la crèche, puis à Noël, on change les maris. On enlève Marie enceinte, elle retourne dans sa cage, puis on met l'enfant Jésus avec Marie. Les sculpteurs n'en revenaient pas. Comment est-ce qu'il y avait des gens qui leur demandaient des questions, qu'elle allait voir en raison du personnage qu'il avait fait, là. Puis il allait voir aussi qu'est-ce que chaque sculpteur faisait, parce que c'est pas tous des sculpteurs de personnages. Il y a des animaliers, il y a toutes sortes de choses. Elle a été exposée dans l'église dans une cage de verre, mais ça donnait pas l'effet d'une crèche. Donc, on a décidé, avec la venue de Marie enceinte, d'en faire une exposition dans la sacristie. C'est certain qu'il y a eu une exposition qui était permanente l'été. On commençait en juin jusqu'en septembre. Vraiment, nous aimerions pouvoir la montrer aux touristes à l'année longue, parce qu'on veut aussi préserver les personnages, afin que ce ne soit pas toutes les personnes qui puissent toucher aux sculptures. Souvent, les gens ont l'idée de toucher, mais ces magnifiques personnages doivent être plutôt regardés et admirés. Avec les jours, on a cessé de chercher. Un élève de l'école, le petit Christian, il avait un nom prédestiné, a demandé au curé s'il pouvait en sculpter un, lui. « Bon, non, il faut un sculpteur d'expérience, mon petit, c'est pas ton cas. » Le jeune Christian est retourné à l'école la tête basse, mais n'avait pas dit son dernier mot. L'an dernier, lorsqu'on avait défait la crèche, il avait vu la petite Colette, une fillette de 4 ans qui se promenait, la pauvre, de famille en famille, le prendre. Et lui, il s'était bien gardé de le dire. Depuis, elle traînait toujours avec elle une vieille poupée en bois sans vêtements qui avait été mâchouillée, usée, salie, à qui il manquait un bras et 2 pieds. Christian, il savait bien que cette poupée-là était le petit Jésus. En revenant de l'école ce soir-là, le jeune Christian s'est arrêté chez sa voisine Maria, une sculpteure spécialisée dans les sculptures pour enfants. Madame Maria qui lui a dit, « Pourriez-vous faire un petit Jésus pour la crèche de Noël à l'église? » Le curé dit que « Moi, je ne suis pas assez bon. » Mais vous, vous êtes bon en tutti, hein? Ouais, « Ben, il est un peu tard, » qu'a répondu Maria un peu émue. « On est rendu le 20 décembre. » Mais si tu m'aides, on peut y arriver peut-être. Chaque sculpteur, ils ont été vraiment libres de faire le personnage qu'ils voulaient. Il y a eu une certaine régie dans ça, là, parce qu'il fallait qu'ils soient de la même hauteur, tous en tilleul. Puis il fallait aussi que le regard de la sculpture aussi ait un impact ou il fallait que ça forme un ensemble, parce que le roi mage ne pouvait pas avoir la tête ailleurs. Mais il y avait une certaine liberté. Ici, on a un ange. Ici, il y a une petite boîte, là. Puis, à la minute qu'on dépose l'argent,
la tête de l'ange salut. Il nous dit merci. C'est tellement une œuvre collective. C'est pas fait par un sculpteur, c'est l'ensemble des sculpteurs. Les gens de Saint-Jean-Port-Joli, et non seulement de Saint-Jean-Port-Joli, mais d'ailleurs, sont aussi fiers que nous de voir cette belle crèche faite par nos sculpteurs. À la messe de minuit cette année-là, le curé en chair a expliqué à ses fidèles que, malheureusement, même si le Christ allait naître quand même, il n'y en aurait pas dans la crèche de Saint-Jean-Port-Joli. À minuit moins une, alors que le curé demandait à la chorale d'entamer le mini-chrétien, Christian s'est avancé dans l'allée et est allé déposer un magnifique petit Jésus sculpté à la main dans la crèche. La chorale est restée silencieuse, regardait ce qui se passait. Le curé est descendu de chair, a levé les bras et a dit: c'est un miracle, mes amis. Sans attendre, la chorale a entonné: il est né, le divin enfant. Et toute l'église a chanté avec elle. Christian, heureux, aux anges, a été félicité. Et il devint plus tard lui-même artisan sculpteur sur bois. À son tour. Cet héritage-là, il ne faut pas les briser, il faut leur faire attention, il faut les conserver, puis il faut vraiment les aimer puis en profiter. Bon, c'est certain que la crèche est un héritage pour la communauté, pour notre génération présentement, mais aussi pour les futures citoyennes et les futurs citoyens de Saint-Jean-Port-Joli, qui, nous l'espérons, seront aussi fiers que nous de voir cette magnifique crèche.